Et ben voilà, le dernier circuit de la série. J'ai commencé à brancher les animes ce matin, là, des trois mutants en phaser 2 que j'ai fait. J'en branche un premier, j'allume la caméra, je me dis on va tester ça avec les amis, direct, sans préparation. Je le branche, il y avait une mauvaise soudure au niveau de l'allume, j'en avais fait un deuxième. Je le branche, il a bi bi bi, des bruits bizarres et tout, je fais zut, je tripote un peu, je trouve pas. Je me dis bon, ben, on va voir ça plus tard. Je me dis pourvu que j'ai pas fait de bêtises, pourvu que ça soit juste une petite bêtise, un petit rien. Et je branche celui-là, après avoir refait la soudure, le troisième, là, j'ai pas encore branché, et ça y est, ça marche. Donc on va écouter ça, je suis trop content, hein, Mutron Phaser 2, c'est le circuit le plus complexe que j'ai jamais monté. En plus, en Veroboard, je peux vous dire qu'en Veroboard, moi, c'est le deuxième plus compliqué que j'ai jamais vu sur Veroboard, ça demande... pas mal d'organisation et de concentration. Là, on est au bout, ça fonctionne. Alors, par contre, j'ai des potards là pour faire du biasing, pour faire du réglage un peu au niveau de la profondeur et tout ça du phaser. J'y ai pas touché encore. On va toucher ça ensemble. Alors, il y en a un qui gère la profondeur du rate, du def, si je me trompe pas. Ouais, voilà. Il y en a un, plus je le tourne et plus les lampes, elles varient fort. Et l'autre, je sais pas, ça doit être le taux du... Ah, ben voilà, l'intensité, ouais. Ouais, si, enfin, on va faire des essais, on verra bien. Ouais, voilà, là on voit l'intensité des lampes en fait. Ouais, là c'est, ça éclaire plus fort. Et là, voilà, c'est plus marqué. On verra, on va tester ça. Voilà, bon bah on va mettre de la musique. Alors, je vais monter le volume. Déjà, vite, vous allez entendre, il y a un petit... En fait, il y a des petites interférences au niveau de la lime. Mais je pense que quand ça sera monté dans la boîte, ça sera vraiment très diminué. Bon, après, un effet vintage des années 70 qui sonne cristallin sans aucun bruit de fond. Et pourtant, j'ai une bonne alim. Hein. J'ai une super alim bien régulier, moi, pour mes effets. Parce que sinon, mes reverb à l'ancienne aussi, t'as un bruit de fond de malade. Voilà, il y a des interférences. Et les câbles qui se croisent, ça fait des interférences. Et donc, une fois monté, ça devrait être pas trop mal. Voilà, donc je monte. Ouais, je sais pas si vous entendez, il y a un petit... Allez, on met la musique. On va baisser le rate. Alors, on met le def à fond, comme d'hab, hein. C'est vrai que moi, quand je teste les effets, on y va. Hein. On baisse le rate, on le met tout lent. Et le feedback, on n'y touche pas, on mettra le feedback après hein, pour bien voir la définition. Allez, c'est parti. Voilà, il y a plus de texture.
comme... Ah ouais, d'un côté ça s'allume plus d'un coup, de l'autre côté ça s'éteint d'un coup. Alors faut mettre au milieu là pour avoir un bon... Petit pote, il gère la longueur d'impulsion, pour ceux qui connaissent un peu les ondes. Voilà. Le Pulse Width sur un Pulse Width sur un LFO en... soit triangulaire, soit sinusoïdal. J'imagine. Un des deux. Et d'ailleurs, comme on arrive à faire s'éteindre ou s'allumer d'un coup et que ça redescend, on devrait peut-être même pouvoir, en bidouillant, arriver à avoir une simili dans le psy. Faut que je fasse des expériences avec ça. J'ai pas bien capté, faut que je relise un peu, on va régler ça. Voilà. Faut que je branche le troisième et puis que je voyais ce qui va pas avec le deuxième. Alors, ensuite, par rapport au circuit, ben là, les Vactrol, donc c'est un circuit encore que j'ai récupéré sur Tagboard FX, hein, c'est donc un circuit, l'original, réadapté sur VeroBoard. Ensuite, il y a la transformation majeure, c'est que les Vactrol ont été remplacés par des couples LED LDR. Personnellement, je ne sais pas si certains de vous ont vu les vidéos d'Okugi, il a fait des mods sur son Ultron Phaser 2, voilà, notamment pouvoir régler à la main. Le phasing,
Je me souviens plus exactement de ce qu'il a fait. Moi, je pense... alors, les deux meilleurs phaseurs au monde, si on lit les commentaires des trois quarts des gens, hein, après c'est une question de goût, blabla, il y a aussi le maestro, on va dire les trois meilleurs, ça serait le maestro, le mutron phaseur 2, le biphase, qui est un double phaseur 2 en fin de compte, et le Moog, le Moog qui fait, alors le maestro et le mutron c'est des 6 étages, et le Moog il fait 6 étages ou 12 étages, peut-être bien 8 aussi, je sais plus. Alors au niveau des modes, moi j'ai pas le niveau en électronique, mais moi tout de suite ce que je me dis, c'est qu'au niveau des modes... je me dis qu'avec peut-être deux de ces circuits-là, et puis des connaissances et puis un peu de boulot, avec deux de ces circuits-là, il y aurait peut-être moyen de faire un biphase. Voilà, ça serait une façon de faire un biphase accessible au plus grand nombre. Ensuite, je me dis peut-être qu'en en branchant deux en série et en synchronisant les LFO, on pourrait avoir un phaseur 12 étages. Et ça doit pas être compliqué non plus. Il faut juste que les LFO des deux... voilà. Alors pourquoi pas essayer de faire un avec deux, où il y aurait une fonction biphase et une fonction phaseur 12 étages. Je sais plus si on peut faire les mettre en série dans le biphase, mais peut-être qu'on peut avoir 12 étages avec le biphase... j'ai jamais eu sous les yeux en vrai, moi, le biphase. Parce que je sais que tu peux synchroniser les deux LFO en inverse. Donc, bon voilà, tu peux synchroniser les deux LFO qui soient en phase et qu'ils sont en série. Si je ne me trompe pas, on a notre phaseur 12 étages. À voir. Après, il y a peut-être au niveau... Ah oui, parce que si c'est 6 filtres différents, il faut régler 12 filtres différents. Donc à ce moment-là, au niveau des fréquences, des filtres, il y aura peut-être du travail à faire. Voilà, moi je m'y connais pas encore assez, mais c'est des trucs qui me donnent envie d'apprendre plein d'infos, de comprendre ce qui se passe dans le circuit, pour finalement pouvoir faire des modes sympas. Enfin, si on arrivait à faire un biphase avec le mutron phaseur 2, avec deux mutron phaseur 2... Survivre au bord du tag board FX, les gars, mais ça serait... Waouh. Allez, bon, ben on a fait le tour, hein. Voilà.